Un rêve qui n'a pas pu se réaliser. Ce jeudi 20 avril, les téléspectateurs de M6 ont pu assister à la finale de Pékin Express, le choix secret, opposant deux binômes qui ont parcouru 10 000 km en Amérique du Sud, Céline et Xavier ainsi qu'Alexandre et Shirin. Depuis de nombreuses années, l'émission d'aventure s'est imposée comme un incontournable du petit écran et fait même rêver certaines personnalités. C'est notamment le cas de Denitsa Ikonomova. La célèbre chorégraphe de danse avec les stars s'est en effet entretenue avec nos confrères de Télé Loisirs, ce jeudi 20 avril, et a notamment indiqué qu'elle avait failli participer au programme présenté par Stéphane Rottenöber. Je devais participer à Pékin Express, en Afrique pendant quelques jours, note de la rédaction, mais cela avait été annulé à cause du Covid, a-t-elle confié, non sans une pointe de déception. Malgré tout, Denitsa Ikonomova n'a pas baissé les bras et compte bien intégrer le casting d'une prochaine saison quand elle sera de nouveau en forme. Jusqu'à l'année prochaine, je suis hors service, a-t-elle ajouté, évoquant la blessure qu'elle a eue en pleine préparation d'une chorégraphie avec François Alu. Supérieur à redécouvrir en images les personnalités qui ont participé à l'édition All Stars de Pékin Express, Denitsa Ikonomova, avec qui serait-elle prête à participer à Pékin Express? Au cours de son interview exclusive avec Télé Loisirs, la danseuse de 36 ans a révélé le nom de son binôme si elle devait intégrer le casting de Pékin Express. Si je ne réponds pas Christian, Miette, il va me tuer, en tout cas, on ne serait plus meilleurs amis, a-t-elle indiqué. De son côté, le danseur professionnel canadien semble tout aussi déterminé à l'idée de participer à l'émission, on était si proche de le faire avant que le Covid arrive et nous empêche de nous rendre en Ouganda que je me dis que c'est encore possible. J'ai encore espoir, a-t-il souligné, optimiste. Après avoir fait rêver les amateurs de danse, Denitsa Ikonomova et Christian Miette pourraient bien ravir les fans d'aventure. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit photo, Koadik Guirec. Take a chance, you can just keep.